Ces patients qui souffrent de diverses maladies liées aux nerfs pourront bientôt retrouver le sourire grâce à cette journée de consultation gratuite organisée par la Société béninoise de neurochirurgie. Nous sommes venus au CHD de Lokossa pour nous mettre à la disposition des populations. Nous allons donc au cours de cette journée consulter, recenser tout ce qui est maladie, problème de neurochirurgie. Ça va être donc l'essentiel de notre activité aujourd'hui qui se déroule en réalité en deux phases. Une première phase de recensement et une deuxième phase pratique qui va consister, une fois les problèmes identifiés et posés, opérer ce qui doit être opéré et profiter de cette occasion pour faire de la sensibilisation. Une initiative saluée par le ministre de la Santé du Bénin, selon qui ce déplacement des neurochirurgiens du Bénin vers les patients du département du Mono s'inscrit dans la logique du gouvernement de rapprocher les services de santé vers les populations à la base. Et je voudrais souligner le fait que les affections neurochirurgicales sont quand même courantes et touchent toute la population béninoise, à quelque niveau qu'elle soit. Que ce soit dans les quartiers de ville, dans les villages, dans les grandes villes, elles sont là. Et quand elles sont là, il faut pouvoir les diagnostiquer et après les prendre en charge. C'est pourquoi cette démarche de la Société de neurochirurgie, qui participe à la vision du gouvernement de rapprocher les services des populations décentralisées, vraiment est une très bonne initiative. Cette journée de consultation gratuite a surtout permis au ministre de la Justice, co-parrain de l'événement, de se rendre compte de la défaillance du plateau technique du CHD Lokossa. Parce qu'après les consultations, il faudra bien les soins et il y en aura qui seront dans le besoin de se faire opérer. Le plateau du CHD de Lokossa n'est pas suffisamment équipé pour le faire. Alors donc cette journée organisée par les neurochirurgiens permet de mesurer le besoin et d'attirer davantage l'attention du gouvernement sur ce qui doit être fait. Le ministre de la Santé, mon collègue Benjamin Mpati, en a pris la mesure lui-même et je crois que les mesures correctives seront apportées. Le directeur départemental de la santé dans le Mono a également signalé à l'occasion le manque criard des médecins spécialistes dans les hôpitaux du Mono.